Sur le plateau de Mille Vaches, à quelques kilomètres d'Égletons, la PPMA des Monédières a créé un parcours de graciation sur la Dadalouse. Il débute à la confluence de la Dadalouse et de la Corrèze. La limite amont se situe dans les bois de Commerly, à la confluence d'un petit ruisseau rive droite, mais de toute façon, les bénévoles de l'association ont panoté l'ensemble du secteur. À noter que ce parcours, comme l'ensemble des cours d'eau gérés par la PPMA, est en gestion patrimoniale. Bonjour, je m'appelle Marc Bouvard, je suis président de la PPMA des Monédières. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter le parcours de graciation de la Dadalouse, qui est située dans le département de la Corrèze. Ce parcours fait une longueur de 3600 mètres. Il est divisé en trois parties. Une première partie au niveau de la confluence avec la Corrèze, donc qui se situe au pont de la Nour. La première partie est très technique. Les cannes de 7 pieds à 7 pieds et demi sont de mise, soit naturelles bien évidemment. Le parcours central est un parcours qui se rétrécit un petit peu. Il est tout aussi compliqué à pêcher. Oui, je l'ai vu là. J'ai vu la touche. La partie amont qui se situe au pont de Commerly est un parcours donc beaucoup plus calme puisqu'il descend donc du massif de Bonnefond. Donc il traverse une partie de tourbière, on va dire, zone humide. Donc la rivière s'assagit, s'élargit aussi. Dans ce cas-là, on peut augmenter la longueur de la canne, 9 pieds est pas mal, et c'est un petit peu moyen technique.
Les truites sont présentes mais sont très capricieuses. Aujourd'hui, nous avons fait quelques prises. Ces truites sont très 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 nerveuses. Les mouches, je pense qu'il n'y a pas de mouche particulière, sinon d'avoir une mouche qui flotte bien, une mouche d'ensemble, gros palmaire, sedge, voilà, tout ce genre de mouche un petit peu volumineuse sera suffisante. J'espère que ce parcours vous plaira. C'est un parcours sauvage, hein. Donc les gens qui veulent un retour à la nature ne seront pas déçus. Hein.